Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un shuriken très facile à faire, original, les deux côtés différents. Si le tuto vous intéresse, restez avec moi, le tuto va commencer. Pour fabriquer ce shuriken, on a besoin de 4 papiers, donc j'ai pris deux couleurs différentes. Les dimensions sont 9 x 9 cm. On va commencer le pliage, donc on va d'abord plier en deux. Ensuite, on va encore plier une deuxième fois en deux. On va ouvrir et on va se mettre dans ce sens-là et on va faire la même chose. On va plier en deux. Et on va encore plier en deux. On ouvre notre papier et ça nous donne un papier quadrillé comme ça. Donc là, on va d'abord plier un petit carré à gauche. Ensuite, on va plier sur la ligne ici. Ensuite, on va prendre ce côté-là, on va le ramener là. On va plier. Ensuite, on va tourner le papier. On va prendre le petit carré ici. On va plier comme ça. Ensuite, on va encore tourner. On va venir plier le long de la ligne ici. Ensuite, on va prendre ce côté-là. On va le ramener le long de la ligne. Une fois qu'on arrive là, je vais prendre le papier ici et je vais le placer en dessous de celui-là. Et ça nous donne ça. Et on va faire ça avec tous les papiers. Alors, je reviens avec vous avec les papiers que je viens de plier. Donc, je vais vous montrer déjà avant de coller comment je vais faire l'assemblage. Donc, je vais prendre le papier qui est là et je vais prendre celui-là. Et je vais le faire rentrer comme ça. Celui-là il est dans ce sens et celui-là il va venir avec la pointe, il va s'aligner ici. Ensuite je vais changer de couleur, je vais prendre le vert, je vais venir le mettre là. Ensuite je vais venir prendre le rose ici. Ensuite ici il faudra que je fasse passer par là et je vais le faire rentrer ici. C'est comme ça l'assemblage. Donc là je vais mettre avec de la colle. Je fais rentrer le papier comme ça. Et je colle. J'appuie un petit peu. Je tourne. Je mets un petit peu de colle dans ce. Je le mets dans ce sens-là. Je fais glisser. J'appuie un petit peu. Je tourne. Prends toujours dans le côté du pliage, hein, ici. Il faut que ça soit ouvert. Donc je fais rentrer ici. Je plie. J'appuie. Et là. Je vais venir prendre la pointe qui est vers le bas, qui est en bas. Je mets un peu de colle. Ensuite, je fais passer le vert et je fais rentrer dans le rose. Et voilà. Voilà, le tuto est terminé. Si le tuto vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto Shuriken. Au revoir.